Bonjour à tous. Mind people, mind men, mind women. Je suis belle, hein. J'ai porté ma petite robe camerounaise. Comme il commence à faire un peu beau, les Camerounaises, là, elles m'ont sapé. Nadine Ndiomo, elle m'a sapé. On dit, c'est l'étude du Cameroun. Le vent passe bien. Le vent passe bien. Donc, j'aime bien ça. Ça, regardez. Et puis, nous qui avons les gros ventes, là. C'est bon. Ça, j'ai porté. Il a porté au, ça va aller un jour là. Je serai l'homme. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Faut liker la vidéo, faut partager une petite vidéo hein, de quelques minutes là. Alors, série de deux petites vidéos. Je vais vous présenter les activités de deux personnes. Il y a un couple de pâtissiers et puis une jeune entrepreneur. D'accord? Dans la série, dans l'autre vidéo. Donc, vous les aurez de la même journée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et je veux bien que vous prêtiez attention parce que c'est un couple qui me fascine beaucoup. Je vais vous présenter un couple de pâtissiers. Ils sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. D'accord? Ce sont des pâtissiers. C'est la pâtisserie à Somou. D'accord? Alors, ils sont situés géographiquement parlant, ils sont situés dans la ville, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, dans le quartier Cocody, Rivera Anono, à proximité du grand terrain, derrière le centre social d'Anono. Oui, vous qui êtes ici à la diaspora, là, c'est comme ça, nous on l'indique en Afrique. Ma chérie, tu viens de là-bas, non? Il y avait un nom de rue là-bas, il y avait un numéro. Il n'y a pas de numéro, c'est ça, il y en avait là. Vous avez duré sur la diaspora, vous faites comme si vous êtes né ici. Je vais répéter. Bâche. Ils sont situés à Abidjan, Cocody, Rivera, Anono. Oui. Anono Chefferie. Voilà. Anono Chefferie. Quand vous voyez la chefferie d'Anono là, vous contournez comme ça. Ils sont juste derrière. Juste en face du centre social d'Anono. Voilà. C'est un couple de jeunes pâtissiers. Monsieur et madame, ils se sont mis à leur propre compte. Voilà. Vous savez, aucun État ne peut employer toute sa population dans l'administration publique. Et on bâtit la puissance économique d'un pays, d'une nation, grâce aux entrepreneurs. Et c'est pour cela que moi, je me force ici à mettre en avant l'entrepreneuriat. Si, si. C'est important. Donc, ils se sont lancés et ils ont pratiquement 15 années d'expérience dans la pâtisserie. Ils ont commencé petit, petit, petit. Aujourd'hui, ils font des gâteaux de mariage. Ils couvrent, oui, ils couvrent de grands événements. Ils font de belles pièces. Alors, moi, je suis vraiment bluffée. Je suis vraiment bluffée par tout le travail qu'ils font. Ils m'avaient emmené une série de photos. Maintenant, comme mon téléphone est rempli, j'ai effacé et j'ai oublié que. Donc, ça a tout effacé. Je vais essayer de les recontacter. Et puis, eux-mêmes, ils vont venir poster en bas de la vidéo. Et puis, je vais faire après un post. Juste après la vidéo, là. Je fais un post. Vous allez voir ce qu'ils font. Je vais mettre les photos. Ils font de belles choses. Donc, vous qui êtes à Abidjan, qui avez des mariages, des baptêmes, des anniversaires, ou même si vous avez envie de partager juste un petit gâteau pâtissier en famille, hein, vous pouvez les contacter, hein. D'accord? Vous pouvez les contacter. Pâtisserie à Somou. Alors, la directrice générale qui s'occupe qui est la responsable production, elle s'appelle Clarisse à Somou. D'accord? Elle est au 07 80 07 09 19 21 20. 01 72 81 82 54. Et puis, son mari, qui est le directeur général de l'entreprise. La femme, elle est la directrice générale adjointe, elle s'occupe du côté production. Maintenant, son mari, qui est le directeur général, lui, il est au 01 53 28 46 00, 05 05 74 88 08. Alors, le slogan de cette belle entreprise familiale, c'est les As de la pâtisserie. Ascom à Somou. Alors, c'est une pâtisserie qui a un très bon rapport qualité-prix. Ils font des choses vraiment
vraiment, vraiment extraordinaire. Je vais essayer de retrouver un peu ce qu'ils font. Et puis après, je vais les poster. Je vais les poster. Mais vraiment, ils ont un très bon rapport qualité-prix. Moi, je me rappelle quand j'étais à Abidjan. On avait un petit événement. Et puis, on allait commander notre gâteau chez un grand pâtissier de renom à Makori. On était dégoûtés. Dégoûtés. Pourtant, on avait payé une fortune. Par contre, ce pâtissier-là, qui m'a été révélé par ma petite soeur, qui me l'a révélé parce qu'il fait de bon, il fait un travail extraordinaire. Et puis, il n'est pas très connu. Donc, c'est elle qui me contacte. Elle dit, mais j'ai un camarade ici, là. C'est un camarade comme ça, mais il fait des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux parler un peu de lui? Je dis, ah bon? Donc, je rentre en contact avec le couple en question, mais ils font un travail excellent. Ce jour-là, il est tenté de faire un gâteau de mariage, mais extraordinaire. Et puis le goût. Donc, c'est pour vous dire que des fois, ne vous cachez pas derrière des grandes enseignes. Hein. C'est souvent les gens, ils vendent leur nom. Les petites entreprises de maison font des choses extraordinaires, mais comme ils n'ont pas de l'argent pour faire de la publicité, parce que la communication, marketing, ça demande des coûts exorbitants qu'ils n'ont pas souvent. Donc, ils ont un petit cercle fermé. Donc, moi, je les mets en avant comme ça pour que vous puissiez les contacter pour tous vos événements. Alors, ils se déplacent, le couple se déplace, ou même une personne se déplace quand vous avez de grands événements comme un mariage. Ils font de belles pièces comme vous voulez, c'est que tu veux là. Anniversaire de ton enfant, parce que j'ai vu les gâteaux là, ils font souvent les princesses. Il dit, ils font tout. Ils font Bible. Ils font mosquée. Il dit, ils font tout. Je suis choquée. Ils font des pièces comme ça avec des fruits exotiques dessus. Je dis, mais le goût. Alors, ma petite soeur qui est dans la cuisine aussi comme moi, elle dit, c'est le goût là même. C'est à cause de ça que j'étais contactée. Parce qu'on ne peut pas manger de gâteau puis c'est être bon comme ça. C'est fondant, c'est moelleux. C'est bon. Et puis, voilà, on va les encourager. Donc, vous qui êtes du côté d'Abidjan, il couvre un peu partout. Hein, parce que dernièrement, il allait livrer un gâteau. Parce qu'il se déplace avec son équipe pour aller installer le gâteau. Quand c'est un mariage, il installe, il fait la mise en installation. Et puis, il fait la coupure aussi. Hein, il jette tout. D'accord? Parce que comme c'est un peu fragile. Donc, il se déplace avec le gâteau. Donc, n'ayez pas peur. Contactez-les. Si vous êtes du côté de Bassam, il se déplace. Vous êtes du côté de Bergerville, il y va, il couvre toute la zone de Cocody, il va à Makori, il va partout à Abidjan, d'accord? Ils font des cakes, ils font des cupcakes, ils font aussi tout ce qui est mignardise, petit four salé, petit four sucré salé, ils font ça, oui, pour couvrir les buffets de vin d'honneur, ils font ça, ils font ça, ils font des petites salades de fruits en cocktail. Ils font beaucoup de choses, mais qui couvrent un peu vos événements. Mais c'est vraiment du côté de la pâtisserie, hein? D'accord? Donc, ils s'élargissent un peu. Ils font aussi, vous pouvez aussi les contacter pour tous vos sandwichs, hein? Pour vos sandwichs d'entreprise, tout ça. Ils le font. Ils font tout, hein? Ils font beaucoup de choses qui se rendent dans le domaine du grand domaine de la pâtisserie, traiteur, pâtisserie. Et c'est un couple vraiment très formidable. Franchement, tu les contactes même la veille, deux jours avant. Ils vont te trouver un créneau pour te faire ta pâtisserie et ce sera du bonheur. Donc, vous pouvez, leur prix varie à partir de 10 euros, 10 000 francs CFA, c'est ça? À partir de 10 000 francs CFA, tu as une bonne pièce. Hein? Vous pouvez les partager à 10, à 12, à partir de 10 000. À partir de 10 000, tu as déjà un gâteau pâtissier. Vraiment, pour les anniversaires de vos enfants, pour vos petits cocktails en famille, pour vos mariages, pour vos brunchs, tout ça. Vraiment, faites-le. C'est top. Ils sont sur Facebook, hein, pâtisserie à Somou. Donc, je vais mettre tous les contacts, je vais épingler tous les contacts. Vous allez les contacter. Moi, ce que je voulais retenir, c'est le rapport qualité-prix. Parce que des fois, vous déboursez des sommes faramineuses pour une pièce montée, pour un wedding cake, par exemple. Mais avec eux, tu tombes quoi? Les prix. Le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant.
Surtout le rapport qualité-prix. En ces moments qui sont souvent un peu difficiles. Donc, si vous avez vos mariages, vous me connaissez, hein? Moi, je ne fais jamais publicité de quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas où ça s'en va. Donc, j'ai vu. Je vais après faire un post pour montrer un peu les créations. Mais il faut des choses extraordinaires. Pour dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on a des talents. On a des talents, mais ils sont cachés. C'est ça. Ils sont cachés parce que les grosses têtes là étouffent. Les étouffent. Ceux qui ont l'argent, qui sont en haut là, eux, ils font bruit. Donc, ils mettent leurs pancartes publicité là partout dans la ville. C'est l'argent. Les petites entreprises de maison n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, même pour t'ouvrir un petit local, on ne te demande pas de porte 15 millions. Où tu vas avoir ça? Si tu n'as pas 15 millions, tu fais comment? Tu vas entreprendre chez toi. Faites-le. Même les blancs le font. Oui. Les grandes entreprises ici en France, ils ont commencé dans le garage de leurs parents. N'ayez pas peur de commencer chez vous. Commencez chez vous. Moi, je commence chez moi. Voilà. Essayez d'organiser votre domicile et puis commencez chez vous. Vous avez compris? Un peu. Jusqu'à ce que vous ayez d'aimer les ressources nécessaires pour ouvrir un local en bonne et due forme. Mais sinon, avoir une pâtisserie depuis chez toi, c'est pas mauvais, hein? Et comme ils n'ont pas un local à louer, ils n'ont pas, voilà, vous voyez que ça a un impact aussi sur leur coût, hein? Donc, allez-y les voir. Pâtisserie à Somou. J'épingle les contacts. Contactez-les, allez les voir. Vous allez voir avec eux. Ils font beaucoup de choses. Ils font des choses extraordinaires. Moi, j'étais vraiment bluffée et c'est pour cela que j'ai décidé de les mettre en avant sur Ange Prisca, le blog Ange Prisca Deonze. Donc, je vous laisse leur contact épinglé en bas. N'hésitez pas à les contacter pour tous vos événements, pour tous vos desserts, vos petits brunchs déjeunatoires, dînatoires, vos petits cocktails d'entreprise entre amis, les petits pique-niques. Allez les voir, ils font des sandwichs, ils font tout ça. Les petits canapés, là, ils font, hein. Il dit, ils font les belles choses, hein. Ils font les belles choses. Les gâteaux là, ouh, c'est bon. En tout cas, j'ai vu, ma petite soeur dit que c'est bon, hein. Elle a goûté, elle dit, ceux-là, c'est comme ça que je te les présente. Donc, je vous les présente aussi, d'accord? Donc, faites ça. On va soutenir l'entrepreneuriat, hein, dans la communauté africaine. Je vous dis à tout à l'heure pour la seconde entreprise.